Anita, bonsoir. Bonsoir Adjal, bonsoir à tous. Depuis Tamara 7, nous écouterons dans quelques instants un extrait de l'intervention du général d'armée Saïd Chengleha en faveur du Sahara occidental notamment. Les Sahraouis qui vont célébrer demain le 48e anniversaire de la proclamation de la Raste. L'occupant marocain à La Haye, aucune intervention orale de son représentant à la Cour internationale de justice, fin des consultations ce soir. En Guinée et au Tchad, une situation sociale très tendue, leurs gouvernements respectifs ont du mal à répondre aux revendications réclamées et on terminera cette édition avec une série de brèves africaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce déplacement du général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'ANP à la 6e région militaire à Tamara 7, là où s'est tenue aujourd'hui une rencontre avec les cadres de la région, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels de la région. Dans son allocution, le général d'armée a rappelé notamment les principes immuables de l'Algérie envers les causes justes. On écoute. De ce point de vue, l'Algérie a de tout temps défendu les causes justes à travers le monde à l'image des causes palestiniennes et sahraouies et continue de se tenir à leur côté dans la mesure où l'occupation ne se résume pas aux pratiques répressives contre les peuples occupés mais constitue une violation de leur propre entité et identité, un pillage de leurs ressources, voire un déni du droit de leurs citoyens à la vie. En effet, ce que subissent les peuples frères aussi bien palestiniens qu'au Sahara occidental met en évidence les formes les plus odieuses d'abus commis contre les civils, en particulier contre les enfants, les femmes et les personnes âgées, sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le général d'armée Saïd Chengleha poursuivra sa visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamara 7 jusqu'à demain. Le peuple sahraoui, un peuple déterminé qui poursuit ses efforts vers l'indépendance, un combat de plus en plus soutenu de par le monde, les sahraouis qui s'apprêtent à célébrer demain le 48e anniversaire de la Raste, avec toujours autant de détermination à barrer la route à l'occupant marocain Yasser Rini. 27 février 1976, à Bir Lahlou, la République arabe sahraoui démocratique est proclamée. 48 ans plus tard, la détermination à barrer la route à l'occupant marocain est toujours là, et les sahraouis continuent de réclamer leur droit à l'autodétermination. Si la question sahraoui continue de réaliser des succès sur la scène internationale, le dossier reste sur la table des Nations Unies sans grande avancée. Mohamed Sidati, ministre sahraoui des Affaires étrangères. La cause sahraoui ne cesse d'enregistrer des succès, des acquis, elle se renforce, elle avance. En même temps, on le voit bien, il y a une régression de cette politique expansionniste marocaine. Il appartient maintenant aux Nations Unies et au Conseil de sécurité d'assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la décolonisation du Sahara occidental. Les violations marocaines des droits de l'homme se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés. Il y a 4 ans, le cessez-le-feu a été violé par le Maroc. Pour les sahraouis, la lutte armée est une nécessité aujourd'hui. Mohamed Chir, diplomate sahraoui. Le peuple sahraoui est là après des décennies de résistance, de combat. Le régime de Makhzen continue d'entraver le processus de paix. C'est pour cela, d'ailleurs, que le 13 novembre 2020, il y a eu le retour à la guerre et le dernier congrès, c'est de donner toute l'importance au domaine militaire parce que ce régime de Makhzen ne comprend que cette voie-là. Le Front Polisario et le peuple sahraoui mènent également une autre bataille juridique cette fois, contre le pillage de ses ressources halieutiques et de son phosphate notamment par l'occupant marocain avec la complicité des multinationales. L'occupant marocain qui a brillé par son absence à La Haye, aucune intervention orale aux consultations de la Cour internationale de justice depuis maintenant plusieurs jours, un silence et un mutisme expliqué par Ignacio Cambero, journaliste espagnol contacté par Rabea Slimani. On ne trouve pas le Maroc parce que le Maroc n'a pas demandé à intervenir oralement devant la Cour. Ce qu'a fait la diplomatie marocaine, c'est ressortir un mémorandum de 4 feuillets qu'elle avait déjà remis à la Cour au mois de juillet de l'année dernière. Depuis lors, il y a eu les événements tragiques de Gaza, mais c'est exactement le même mémoire qu'a ressorti la diplomatie marocaine et elle l'a remis à la Cour. Et donc, il n'y a pas eu d'intervention orale auprès de la Cour. C'est quand même assez exceptionnel de la part
d'un pays musulman. Il y a eu certes la présence de l'ambassadeur du Maroc à La Haye lors de la première audience, mais ça a été une présence absolument silencieuse. Je suppose que les autorités marocaines ont agi de la sorte pour, disons, ne pas fâcher Israël, maintenir cette relation privilégiée qu'elles ont avec Israël. Au programme des interventions aujourd'hui, en ce dernier jour à La Haye, l'Union africaine, la Zambie ou encore les îles Comores, ils prendront la parole tour à tour lors de ces dernières plaidoiries à la Cour internationale de justice qui s'achève ce soir à La Haye. Plus que trois jours avant le sommet d'Alger sur le gaz, un événement de taille dont les préparatifs sont fin prêt, en attendant l'arrivée des délégations participantes dans ce sillage. Nous continuons à vous proposer des sujets en rapport avec ce rendez-vous et des cartographies de pays à fort potentiel gazier. Focus ce soir sur la Guinée et c'est signé Sophia Boukercha. La Guinée équatoriale, située dans la région de l'Afrique centrale, bénéficie d'une géologie favorable qui a permis la découverte de vastes gisements de gaz naturel au large des côtes et dans les régions intérieures du pays. Ses réserves sont estimées à 40 milliards de mètres cubes. La Guinée équatoriale a vu sa production de gaz fortement augmenter. Bardad Mendouche, expert international en énergie. La Guinée équatoriale a également abrité une réunion ministérielle du GECF. Elle a des réserves en gaz de 39 millions de mètres cubes, une production de 8 millions de mètres cubes. La Guinée équatoriale a attiré d'importants investissements étrangers. Des entreprises internationales ont établi des partenariats stratégiques avec le gouvernement pour développer le secteur du gaz. Ses exportations ont également augmenté. Elles sont autour de 8 milliards de mètres cubes par an via gazoduc ou sous forme de GNL. Et un export de 5,7 millions de mètres cubes. Elle dispose d'un pipeline et un autre en projet et de deux méthaniers. Plusieurs sociétés actives dans le secteur gazier comme Sonagaz, ExxonMobil, Marathon Oil Corporation. Le gaz est devenu un moteur essentiel de l'économie équato-guinéenne. Les revenus issus de l'exploitation gazière ont permis de stimuler la croissance économique du pays. Et on repart ce soir au Tchad où les prix du carburant sont restés en hausse. Ils ont été d'ailleurs à l'origine d'une semaine de mobilisation sans précédent, une grève illimitée générale avec cette journée incluse. On fait le point avec Ahmad Mahamat Hassan, enseignant en sciences politiques à l'université de N'Djamena. Le Tchad traverse des mouvements de protestation et de contestation contre le gouvernement par rapport à la chèreté de la vie et l'augmentation du prix du carburant à la pompe qui impacte les produits courants dans les produits alimentaires. Parce que, quelles que soient les conditions, la base alimentaire des Tchadiens, c'est le céréal, le mil et le sorgho et le riz cultivé dans les autres provinces. Alors, tous ces produits alimentaires sont acheminés dans les grands centres de grande consommation comme la capitale N'Djamena ou Moundou au sud ou à Sar. Encore au sud, ou bien à Béché. Et tous ces produits acheminés par les véhicules ou bien par les petites motos chinoises consomment le carburant. Et le prix du carburant cher impacte le prix des produits alimentaires sur les marchés sociaux et ça pose un problème de la chèreté de la vie. Par rapport à ça, les syndicats et les associations de la société civile ont lancé une grève. La grève a été à moitié suivie et maintenant, aujourd'hui, c'est une journée déclarée, une journée ville morte pour continuer la protestation. Et cette crise met en difficulté le gouvernement de transition tchadien qui a du mal à répondre aux revendications. Le gouvernement est en difficulté pour surmonter cette crise parce qu'il est en transition et le principe du Tchad, c'est que le Tchad est à la recherche des ressources nécessaires pour l'organisation des élections présidentielles et autres d'ici octobre prochain, prévues comme date de la fin de transition, de la nouvelle transition de 24 mois obtenue depuis le dialogue inclusif tenu en octobre 2022. Et ça pose un problème très sérieux parce que le Tchad, le premier ministre de la transition est déjà en tournée en Europe, il est à New York auprès des organismes des Nations Unies, AFMI, ou la Banque mondiale pour mobiliser des ressources pour l'organisation des élections portant retour à l'ordre constitutionnel. Ahmad Mahamat Hassan, professeur en sciences politiques à l'université de N'Djamena en Guinée. Les routes étaient désertes aujourd'hui, écoles et commerces fermés. Conakry totalement à l'arrêt au premier jour d'une grève générale illimitée. L'appel lancé par les centrales syndicales des secteurs publics, privés et informels du pays qui vise à obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique mais aussi la libération d'un syndicaliste de presse.
Il y a 139 ans aujourd'hui, s'est tenue la conférence de Berlin avec comme objectif clair établir des règles officielles pour l'exploitation des richesses du bassin du Congo ainsi que l'Afrique de l'Ouest par les puissances européennes. Un système de prédation instauré un certain 26 février 1885. Retour sur ce chapitre de l'histoire africaine avec Benny Wande Sankara. Il est juriste, il a été contacté par la Béa Slimani. Effectivement, la conférence de Berlin en 1884 a été une stratégie des pays européens de se retrouver autour de la table et bien sûr de partager l'Afrique comme un gâteau. Mais on ne peut pas parler en réalité de la conférence de Berlin et occulter la conférence de Yalta. Et c'est ça qui m'amène à dire que l'Afrique devrait s'en inspirer pour constituer un bloc homogène, parce que ce soit les alliés qui se retrouvent en Crimée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment l'Union soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis. Vous voyez que ce n'est pas l'Afrique qui est conviée. Quand vous remontez à la conférence de Berlin, vous voyez que là aussi, eh bien, ce sont les pays entre griffes européens. Et ces pays donnent toujours cet exemple de solidarité pour exploiter le reste du monde. Le partage des richesses africaines a été décidé donc un certain 26 février 1885, il y a 139 ans aujourd'hui, lors de la conférence de Berlin. C'était Benny Wande Sankara, juriste contacté par la Béa Slimani. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sénégal. Des candidats à l'élection présidentielle qui vont déposer aujourd'hui des requêtes auprès du Conseil constitutionnel. Ils exigent l'application par le président Macky Sall de la décision de la haute juridiction de fixer dans les meilleurs délais une date pour la tenue du scrutin présidentiel. Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés ces dernières 48 heures dans des combats ayant opposé l'armée burkinabée à plusieurs groupes terroristes dans les régions de l'Est, du Nord, mais aussi du centre du pays. Au Burundi, attaques terroristes également, 9 personnes, dont un soldat, ont été tuées dans l'ouest à Bouringa. Le groupe Ted Barra a revendiqué l'attaque et publié des photos montrant un bâtiment aux couleurs du parti au pouvoir visiblement détruit. En Éthiopie, un journaliste français a été incarcéré depuis son arrestation le 22 février dernier. Les autorités l'accusent de conspirer en vue de créer le chaos dans le pays. Et puis la communauté de développement de l'Afrique australe et le bureau de l'ONU pour les opérations humanitaires s'engagent ensemble à lutter contre l'impact du changement climatique et du phénomène El Niño qui frappe la région depuis maintenant plusieurs mois. On termine avec du sport cyclisme, la course internationale qui se déroule en Afrique du Sud. Le jeune cycliste algérien Oussama Mimouni a pris aujourd'hui la 4e place. C'est dans le cadre d'un stage de préparation dans le centre de l'Union cycliste internationale situé à Cape Town. 18h13 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. C'était la dernière information de ce journal africain qui s'achève. Nous le disons à 18h13 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, réalisé par Selma Feguir.